On va s'intéresser maintenant à cette tendance qui se développe en France depuis quelques années, l'Ayurveda. Alors c'est à l'origine une médecine traditionnelle venue d'Inde, des techniques qui soignent le corps et l'esprit. C'est ce que nous explique cette praticienne originaire de Martinique qu'ont rencontré Nathalie Sarfati, Jean-Pierre Magnaudet et Raël Moine. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Gwanaël Bâtard est praticienne ayurvédique depuis 2 ans. La jeune femme originaire de Martinique a quitté un poste dans la création de parfums pour se consacrer à cette médecine millénaire issue de la tradition indienne. L'Ayurveda est une pratique encore assez peu connue en France. Les gens en fait connaissent principalement les massages, les thés, les tisanes ou les produits cosmétiques, mais ils sont en fait très loin de la philosophie qu'il y a derrière en fait l'Ayurveda. C'est pour ça qu'en fait j'essaie de communiquer un maximum dessus, de faire un maximum d'événements, de conférences pour sensibiliser les gens à cette médecine millénaire qui est un art de vivre et qui est juste énorme en fait. L'Ayurveda vise à retrouver un équilibre, une harmonie personnelle. On fait appel à cette médecine pour différents problèmes, troubles digestifs, stress, migraines, troubles du sommeil. Parfois même, c'est un acte préventif. Préparer la veille. J'aimerais bien faire des choses avant. C'est-à-dire quand j'arrive pas à dormir, j'ai aucune envie de prendre de somnifères et j'ai envie d'avoir des solutions naturelles. Si j'ai des problèmes de circulation ou autre, j'ai envie de régler ça autrement pour vivre plus pleinement. Voilà. C'est la 4e séance pour cette patiente. En une heure, elle abordera de nombreux sujets et apprendra auprès de Gwanaël à se reconnecter avec elle-même. Mais nous les laissons pour plus d'intimité. Nous retrouvons Gwanaël Bâtard quelques jours plus tard dans un appartement du 8e arrondissement de Paris. Elle est venue proposer une initiation à l'Ayurveda à la demande d'un professeur de yoga, séduite par son approche. Elle parle avec son cœur, c'est quelque chose qui vibre à l'intérieur d'elle et elle a vraiment envie de faire du bien aux gens d'une manière très bienveillante et c'est ce qui m'a touchée. Pour moi, l'Ayurveda c'est juste un art de s'aimer soi-même, d'apprendre à se reconnecter à son corps, à sa vraie nature. L'Ayurveda compte de plus en plus d'adeptes. Avec Gwanaël, la pratique prend une autre dimension, celle du sourire. Parce que, dit-elle, le sourire, c'est le début de toutes les guérisons.